Mais que ça cuit entre docteur et docteur, on peut faire ça quand tu étais la baby. Dis-nous, Zolonja, mange à moi que je prépare. Oh. Maman, regarde une bonne femme à la cuisine. C'est le héros que je prépare. Adama, j'arrive, Adama. Docteur, c'est ça qui est ça. Chaque la vie, quoi, comme ça. Y'a Docteur, tu pleures, tu ne fais que pleurer, choucre. Docteur, tu ne fais que pleurer, choucre. Oh, c'est le wata wata. Docteur, tu vas pleurer, choucre. Arrange ta perruque. C'est vrai, mon bébé. C'est choucre qu'on pleure. Maman, baby. C'est gâté. Mon héros, s'il te plaît, tu vas pleurer, choucré. Tu pleures, choucré. L'amour est fini. Oh, tu pleures, choucré. Tu vas pleurer, baby. Oh, tu pleures quoi comme ça en plein Facebook? Oh, oh, oh. Docteur, tu pleures quoi comme ça? Je suis chez moi. Docteur, tu dis quoi? Il faut préparer avec dans la joie. Yo, docteur. Maman, préparez dans la joie. On se prépare pour le direct de ce soir. Maman, quand tu prépares comme ça, que le gars rentre, maman, le goût de ça. Oh, kota, mais kota. Choukré, 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 choukré. Choukré. Je suis chez mon gars. Maman, le père de sa mère. Papa abeille, choucréo. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, oh, choucréo. Les abeilles, il n'y a plus de choucré. Choucré, non, finish. Choucré, choucré, choucré. Va voir ta docteur. Choucré, c'est fini. Il n'y a plus que choucré. Toi et moi, non. Dis donc, bon, sur Facebook aujourd'hui. Choucré, choucré. Tu vas aller voir ta docteur. Mais que je vais parler. Tu vas pleurer. Tu vas donner la gnasse au choucréo. 53 cm. Tu traumatises les femmes au choucréo. Toi, moi, c'est fini. C'est fini. Et tu n'es plus le futur père des abeilles. Et c'est là. Hey. Ça ne peut pas tomber, maman. Docteur, reprends ton gars. Docteur, reprends. Choucré. 53 cm. Anaya. Anaya. Choucré. C'est toi qui traumatises les femmes. Tu vas sur que go. Thank you.
Singa, je vais vous annoncer que Choukre et moi, c'est fini. Ouais, attendez. Choukre, tu sais, je te dépose ici. Choukre, je te dépose. Parce qu'on dit que je dépose. Allons déposer. On a donc Yami. Choukre. Mes cœurs, je vais déposer mes cœurs. J'ai pas mis le filtre, là, c'est mon vrai thème. Je suis venue faire une annonce avant le direct de ce soir. C'est 20h30. Non, homme qui fait pleurer la femme, oh, je suis pas avec toi. Je suis venue barrer, dit que Choukre et moi. Les abeilles, je vais trouver le nom pour votre futur père. Vous avez compris? Vous n'avez plus de père. Choukre nous a déçus. Qui rentre chez le docteur? Vous comprenez? Rentre chez le docteur. Qui t'a dit de mettre profond là-bas? Tu ne pouvais pas mettre tes 53 mètres, centimètres de cement demi-demi. Tu vois, tu mets tout dedans. Bon, l'enfant est tout au carrefour. Choukre, pitiation for you. Tu comprends? Et que je suis venue vous dire que Choukre et moi, je suis venue vous dire que docteur Adon Yaya Yakraï, good morning, ma sister docteur. Face woman, Facebook for Choukre. Pardon, for baby. Because down name, for Choukre go disparaître just now. Dans le nom for Choukre go disparaître. Na soa donc to for si kase na mi bring des names, des face names. C'est Choukre. Na a donc enlevé. Mais take back y name for 53 cm. On verra si c'est sexy. Docteur. N'entre pas. Donc, j'étais en train de dire que j'annonce officiellement que Choukre, on reprend le nom. Il va aller chercher son nom là-bas. Je reprends mon nom Choukre, je mets dans ma poche. C'est ça qui est ça, je reprends le nom Choukre. Il va rester avec son nom baby, avec 53 cm, qui n'était même pas sexy, qui ne donnait pas. Quel nom a donné sur Facebook? Quel nom? Quel nom a donné? Qu'on donne sa cale et sa donne. Choukre. Je reprends mon nom Choukre. Je reprends. I don't take back my name Choukre. Dans les abeilles, à partir d'aujourd'hui, la personne qui va tenter de dire Choukre sur mon nom, sur mon direct, je te bloque. Vous avez compris? Je reprends mon nom Choukre. Il reprend ses 53 cm. Avec les babies, les noms qui ne sont même pas sexy. Il rentre dans le mariage avec docteur, c'est tout. Il y a quoi? Tout ce qu'on lui demande, c'est de rentrer en mariage. Choukre, rentre dans le mariage. Tu fuis pourquoi? Il a dit que tu vas rentrer, baby. Rentre dans ton mariage au Canada. Tu fuis le mariage pourquoi? Quand tu portais le complet ici avec docteur, tu mangeais le tarot. Tu mangeais dans la maison avec docteur. Le ndolo était sucré. Aujourd'hui, ça dit que, franchement, il n'y a pas vol dans le couple. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas vol dans le couple. Même si tu avais ton gigolo, il te gigole. Ce n'est pas le vol. Tu l'as donné pour le ndolo. Docteur, je te remets ton baby à partir d'aujourd'hui. Et la personne qui va encore prononcer que Choukre sur Facebook et porte plainte. C'est moi qui ai créé ce nom. Mais que je peux boire un petit coup, non? Je vais boire un peu d'eau. Je reprends mon nom Choukre, mon frère. C'est comment? On vous a dit qu'on distribue les noms comme ça. Oh. On vous a dit qu'on distribue les noms. Je me lève un matin, je donne le nom à quelqu'un que Choukre. Avec son lait nom qui s'appelait. Il avait un lait nom avant. Un lait non. Il
avait un laid nom. Son nom d'avant, 53 centimètres, c'est un nom ça. C'est un nom. Quand les vraies personnalités comme les mafos donnent les noms. Hein? Les vraies personnalités, on donne les noms, ça cale. Il est venu avec son laid nom. Que 53 centimètres, mais que quand je prononçais le nom là, que 53 centimètres, ça ne passait pas. Aujourd'hui, il a choucré. Il a choucré qu'on lui a donné gratuitement. Non, on lui a donné choucré, on l'a récompensé, non. Il a trop travaillé, donc on l'a donné choucré, on l'a récompensé. Mais on reprend. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu peux donner ton nom, tu reprends. Je reprends mon nom choucré. Il part avec son bébé, c'est son 53 centimètres. Je n'ai pas dormi. Je suis traumatisée. Dans les deux, là, c'est il y a encore moi. Il y a le dolo là. Dans les deux là, c'est Yamo. Hein? Il s'aime encore. Vous avez vu? Vraiment, docteur. Il fallait nous dire la vérité. Hein? Chouke, remets-moi mon nom. Tu pars avec rancœur. Tu me remets. Chouke, tu pars avec rancœur. Pars avec rancœur. Je pars où avec? Dans rancœur au Canada là-bas. À baby. Échangez-vous les noms. Si elle veut être surnommée encore Choucré, on verra si Choucré de docteur va donner. Mes cœurs, je pleure déjà. Mais non, mes cœurs, pas faut pleurer. Arrête mes pleurs. La PDG pleure. Comment va PTT? Le direct, c'est le soir, hein? Hein? Pas faut pleurer. Choucré, tu m'as fait ça, non? Les PTT, je salue les PTT, le direct c'est le soir, hein? 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 Je reprends, tu fais pleurer une PDG. Comment va les PTT? Comment va PTT? Voilà, c'est bon. Mes cœurs, mes amours choux d'amour, mes amours choux, comment va le président des PTT? Mes cœurs d'amour, mes cœurs d'attitude d'abeille, mes cœurs, comment va le père PTT? Mes amours choux. Qui a arrêté? Bibon. Le nouveau nom de père des abeilles, c'est Bibon. Bibon. Bibon, mets la musique, Bibon. Mets la musique, Bibon. On verra. On verra, c'est Bibon. Le Bibon. Le Bibon. C'est Bibon maintenant. Votre père s'appelle Bibon. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon, Bibon. C'est Bibon. Votre père, c'est Bibon. Le père des abeilles, maintenant, c'est Bibon. Notre Bibon. Le Bibon. Bibon. Votre père s'appelle Bibon. Le Bibon, Bibon. Ça donne... Le Bibon. Le Bibon. Le nom du père des abeilles, on a mis Choucré dans la poubelle. Maintenant c'est Bibon. Madame, oh Bibon, oh Bibon, oh Bibon. Les abeilles. Je voulais d'abord, je vais vous parler maintenant. Attendez, je vais cacher quelqu'un. Pardon, viens m'allumer le feu. Je vais cacher. Attendez. Viens m'allumer, viens remettre le feu, s'il te plaît. Le Bibon. Allez porter Choucré, vous la menez aux urgences. J'ai repris mon nom. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon. Bon. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon. Le Bibon.
Le bibon, le bibon, bon bibon. Le bibon, le bibon, bibon. C'est avec toi que je vais danser. Le bibon, 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 bibon. Le bibon des abeilles. Le bibon. Les gens qui veulent chou. Tu savais que. Il y a toujours des enfants récalcitrants. Donc ceux qui signent là-bas sur Choucré. C'est qu'on est sur le bibon. Le bibon, bibon, bibon. Le bibon, 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 bibon. C'est qui est sûr, c'est moi qui donne le nom. C'est moi qui reprends mon nom. Oh. Ça vous choque, allez chercher votre nom. Le bibon. Le bibon, bibon, bibon. Tout ce qui accepte, mettez le bibon. Le bibon, bibon, bibon. Le bibon des abeilles. Le bibon. Les enfants qui ne vont pas s'habituer aujourd'hui, il n'y a pas que vous allez prendre le temps. C'est qui est sûr? C'est le bibon qui a pris le pouvoir. Votre père Choucré, un bordel. Hey, pardon. On a dit que moi, je mange à le bordel, moi. Ouf. J'ai jeté ces choses, le sac poubelle en bas. J'ai déjà jeté le nom Choucré. Je me suis mise comme ça, c'est les filles de Meng, non? J'ai déjà jeté le Choucré. J'ai mis le sac poubelle, jeté en bas. Qui vient ramasser pâte au Canada avec mes quotas? Mais que, ce qui est sur ces bibons, c'est bibon ou rien. Le bibon, ma baisse. Hé, hey, compresseur, toi et moi, j'ai dit que j'ai déjà jeté. Je suis maintenant avec le bibon, maman. Les reines que, prends ça, tu pars avec. Ma baisse, je te donne. Prends reine que, tu mets dans ton sac là-bas, tu pars avec. Hé, hey, docteur. Ma soeur, tu sais très bien que, tu sais bien que moi, je ne peux jamais sortir avec Choucré, avec 53 cm. Tu le sais. Tu sais très bien que je ne peux pas sortir avec 53 cm. C'est qu'elle sortit ça. Eh, hey, le bibon, vous m'avez dansé mon bibon. Attendez-moi, j'arrive. Bibon, vous allez regarder par le micro, on le fatigué. Bibon, viens danser avec moi ici. Avec tous tes diplômes de l'école, tu n'as pas trouvé un docteur comme toi. Arrête de mentir sur Choucré, tu n'es qu'une menteuse. Arrête de mentir sur Choucré, avec ton diplôme, tu n'as que trouvé un poulailler pour élever au yard. Donc, t'as pourquoi tu es comme ça là? Hein? Ya, donc, t'as pourquoi tu es comme ça là? Avec tout ton école, ton tableau que tu as fait, le scout de ça, le long crayon de ça, tu n'as pas trouvé un long crayon. Hein? Adama, pitiation. Pitiation! Souilleuse des bams. Tu n'as que souillé les bamilés que oh, tu vas que assumer. Oh. Laisse ça. Oh, docteur, tu n'as rien vu. Tu vas, je dis que c'est ton mari là-bas. Eh, hey, bibon, bibon. Il m'a choqué la belle ce qu'elle voit en ligne. Ma pète plus ma baisse. Ah non. Ça m'a couru, je suis plus ta baisse, maman. Docteur, tu vas. Oh, 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 docteur, pourquoi tu manques sur Choucré, oh? C'est le dolo qui te dérange, oh. On peut voler 3000 euros sur la carte bancaire, tu manques. Oh, non, oh, oh. Sans code, tu peux retirer 3000 euros. Ah, moi, je sais que jusqu'à 800. Je sais qu'on peut retirer jusqu'à 800 au distributeur par semaine. Hey, ton affaire là que Choucré a volé 3000 euros, je ne crois pas, oh, maman. Et ta banque ne t'a pas signalé, oh, ya, mamie, oh. Mamie, ça, la menteur. Même si tu ne mens pas, oh, ce n'est pas mon problème, oh. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens trahir Choucré? Tu l'as donné toi-même pour acheter le 53 cm. Oh, les projets de ça. Aujourd'hui que tu vois qu'il a deux poulets, oh, avant tu disais que c'était le hange. Oh. Hé, hey, docteur. Hé, hey, Yamseur. Yamseur. Quand tu partais là-bas, tu ne voyais pas comme ça. Ya, ton buzz, ce n'était pas le buzz. Tu as un gnasse écarté avec lui. Assume ton écartement, docteur. Hey, baby, I love you. Baby. Il n'a pas dit, chère docteur, oh, c'est la honte qui te fait.
Avec tous tes doctorats que tu as, tu n'as pas trouvé un intellectuel. Oh, l'amour est vraiment aveugle. Rien de moi, je peux être avec Chouke. Oh, je n'étais pas à l'école. Oh, oh et docteur, pourquoi tu pleures comme ça? Oh, c'est vraiment ridicule. Oh. Toi-même, tu es une grande bandite. Oh, parce que tu marches avec les voleurs. Donc, ton mari Chouke est voleur, toi-même voleuse. Oh, tu encourages le vol. Ouais, pourquoi les longs crayons sont comme ça? Ouais, nous au moins on a la sagesse du village. Maman, donc tu es allée chez lui pour la première fois, tu as niasse. Hé, hey, docteur, l'école là même. Ouais, pourquoi aller à l'école et être aussi bête? Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as seulement vu sur Facebook, tu pars, tu niasses avec, tu te couches jusqu'à vous manger le tarot dans le même plat. Donc tu assumes ton mariage doucement. Il n'y a pas le vol dans le mariage. Docteur, pourquoi tu nous souilles comme ça? Docteur, pourquoi tu nous souilles comme ça? Maman, docteur, tu pleures seulement, tu as acheté son 53 centimes. Mais toutes les femmes qui achètent le manga là, c'est leur problème. Si je sortais vraiment avec Chouke, j'allais prendre et manger, je m'en fous. Même si c'est une gars qui donne, je m'en fiche. Oh, je l'ai envoyé où? Même Nia savait vous causer les amourettes, c'est le travail. Oh, maman docteur, oh. Toi-même tu l'as dit, t'as soutenu pendant ta dépression. Oh, maman, oh, docteur. Tout ça là se paye. Oh, mamie, tu as payé seulement le mbangala. Ouais, pourquoi payer et pleurer? Je ne comprends pas les filles qui payent et qui pleurent. Tu payes le mbang. Qui t'a demandé de payer? Quand tu as déjà fini de payer, qu'on te refuse le banc. Maintenant, tu viens exposer mes quotas. Est-ce que c'est quoi? Maman, si tu as mangé tes 3000 euros, c'est qui est sûr? Est-ce qu'on peut retirer 3000 euros distributeur mes quotas? Pardon, dites-moi. Dites-moi, si ta banque ne t'appelle pas, c'est en une fois qu'il a retiré les 3000 euros ou c'est en deux fois? Docteur, explique-moi. Je suis curieuse de savoir. Parce que je veux savoir avec qui je parle. Je veux savoir qui sera le futur père des abeilles. Je veux le connaître, j'ai bien écouté. Mais docteur, dis-moi, refais-nous un direct. Explique-nous comment il a retiré 3000 euros au distributeur en voyant ton code. Est-ce qu'avec le numéro de la carte, on peut retirer sans code? Parce que le numéro du compte, même s'il y a ça, il a vu, c'est vrai. Mais sans code de distributeur, est-ce qu'il peut retirer? Je ne pense pas. Maman, c'est toi qui as donné ton code, tu lui as dit d'aller faire les courses. Et il a retiré 3000 euros, c'est normal. Là, je suis sur une quota à moi. Si j'arrive, hier quand je suis arrivé, on est passé faire les courses. Mais si j'arrive chez une amie et qu'il n'y a pas de course, c'est normal. Si tu partais à l'hôtel, tu allais toujours payer. Ma quota, tu as accepté de rester chez lui. C'est normal. Peut-être que quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, il fait son régime. Tu arrives, tu aimes manger. C'est normal que tu fasses les courses. Hé, hey, docteur, c'est pas l'escroquerie. Docteur, donc tu as seulement mérité le McDonald's parce que peut-être à côté de chez lui, le seul fast-food qu'il y avait, c'était le McDo. Comme tu venais des États-Unis, on sait que les gens qui sont là-bas aiment le fast-food. Hé, hey, docteur, pourquoi tu veux souiller 53 cm alors que tu l'as apprécié hier? Hé, hey, docteur, c'est la vengeance ou c'est quoi, mamie, doc? Moi, personnellement, je ne sors pas avec un homme comme ça, docteur. Même si on passe sur Facebook, on s'amuse. Moi, je ne suis pas dedans, ça, moi, quoi. Si je vais écarter, j'écarte, mais c'est pas... Je veux connaître cette personne, non. Il peut dire un cœur, il dit ce qu'il veut. Mais de mon côté, je sais que je ne sors pas avec lui. Et je ne sais, c'est comme ça que vous avez fait pour le buzz. Moi, je ne suis pas dans le buzz. J'ai ma vie privée. Docteur, tu devais avoir honte. Tu dis quoi? Que tu ne connaissais pas, tu connaissais bien 53 centimètres. Même l'histoire de la machette, tu connaissais bien. Mais tu voulais choquer les Bamileke, tu voulais choquer ta communauté. Ça s'est retourné contre toi, donc assume. Quand tu dansais, tu portais le complet. Donc, pourquoi tu mens? Chaque fois, tu portais la bille au pain. Tu faisais madame. Tu faisais madame sur Facebook tout le temps, docteur. Tu t'asseyais, vous portez le complet plusieurs fois. Tu me dis qu'il a seulement... Vous êtes allé acheter à deux, docteur. Pourquoi tu mens? Docteur, je me souviens, tu ne voulais même plus rentrer. Moi-même, je regardais, je disais que... Mais la femme s'y rentre quand?
Elle, en tout cas, elle est toujours là. C'est comment? Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas les enfants. Donc, t'as-tu signé? Tu ne voulais plus rentrer. Tu veux nous parler qui te faisait peur? Peur de quoi, une vieille chouette comme toi? On peut te... Tu dis que tu avais combien d'années? Donc, t'es menteuse. Tu n'es pas un enfant. Donc, tu n'es pas un bébé. Tu assumes tes bêtises. C'est tout ce qu'on te dit. Tu vas sauf qu'à assumer. Tu as une nièce avec un homme le premier jour. Et tu, non, tu nous parles que non, tu es enceinte. J'ai dit que yégué, 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 yégué. La femme, c'est une nièce sans préso. Ya, docteur, pitiation pour you. Est-ce que tu as fini à ça sans préservatif, docteur? Il t'a mis dedans, tu as payé de la grossesse en rentrée. J'ai dit que yégué. Elle a seulement que compter ses règles avant de venir en mariage. On peut être pressé comme ça, Adama. J'ai eu honte à ta place. Assume. Tu ne peux pas nous voiler les yeux. Tu l'as aimé. Tu l'as aimé. S'il n'y a pas honte d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, tu l'as aimé. Tu lui as donné la nias. Itanias sans préso. Ya. Yeah. Itanias. Laisse ça. Tu es ma soeur. Je ne peux jamais te clasher. Tu es ma soeur. Et je vais te promettre, je ne peux jamais sortir avec lui. Non. Pas parce que ce n'est pas un homme. C'est un homme. Mais on ne sort pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, j'estime que je ne le connais pas. Ya! Yeah. Donc, à l'école que tu es parti là, c'est quoi? Ah ouais, docteur. Oh. Docteur. Oh. Docteur. Oh. Bibon. Bibon, mais. Mais Chombongo, Oma Bongo, c'est Madilou qui chante pour Oma Bongo. Son anniversaire, s'il te plaît. Quand on parle du père des abeilles, il y a les vrais pères. Oma Bongo. Choukré, pardon, ce n'est pas Choukré. Bébé, excuse-moi si je... Bibon, excuse-moi si je dis toujours Choukré. C'est parce qu'il a voulu me boisser. Ça n'a pas marché. Il a voulu me boisser. Ça n'a pas waka, même pas un peu. Yeah, docteur. Tu dis que vous étiez en train de faire les amourettes comme ça, que c'était le beurre. C'est pas vrai. Tu mens. Vraiment, pour l'autre, elle est ma soeur. Personne ne t'en veut. Tu l'as aimé. Où est le problème? Elle s'est interdit d'aimer. Voilà la femme de Fingonke aimée. Elle a donné la voiture, le beau des beaux. Non, non, elle a acheté la voiture, elle a donné à Fingon. Elle a pleuré, on lui a dit que reste tranquille. Ma soeur, laisse ce que tu veux faire là. Laisse ça. Donc, t'as tué assez mal et que Kenya savait lui. Aujourd'hui, tu viens dire que c'est faux. Vraiment, les femmes du 22e siècle, du 21e siècle, quand ça finit avec un homme assumé, non? Mais docteur, tu nous racontes quoi là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, docteur. C'est pour baby, c'est baby que tu dis comme ça, docteur. C'est ce baby. Hey. Je vous donne les mains. Yeah. Yeah. Oignon. Docteur, tu étais la femme de 53 cm. Oh. Maman, docteur, on peut être amoureuse comme ça. Tu portais le complet, complet. Tu insultais ta communauté. Toi-même, tu gérais avec lui, non? Qu'est-ce que docteur veut nous dire là? Docteur, tu nous racontes quoi? Arrête un peu. C'est pas possible. Docteur, tu nous racontes quoi? Tu nous racontes quoi? Tu nous racontes quoi? Quand tu t'assieds pour dire que baby, tu dis qu'il t'a manipulé. On manipule une vieille chouette intellectuelle de sur quoi le doctorat. Tu faisais quoi avec lui? Donc tu sortes, donc tu ne connaissais pas qui il était. Un gars vient te dire qu'il est ceci. Parlons peu, parlons vrai. Hein? Laissons l'ombrakata à côté. Vous voulez dire que quand un homme t'appelle tous les jours, tu veux dire que tu n'es pas allé sur son profil Facebook regarder qui il est. Tu connaissais son passé, tu l'acceptais comme il est. Il est mon ami, je l'assume tel qu'il est, je l'assume, c'est mon ami. Je ne vais pas venir demain dire qu'il ne savait pas, il ne savait pas, non. Donc arrête. Je ne peux pas nier qu'il ne t'a pas pris de l'argent.
Parce que vous étiez un couple en ce moment, vous donnez à Paris. Vous étiez un couple en vogue à Paris. Hein? Donc si tu l'as payé, assume que tu l'as payé. Montre-nous les papiers de... Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Parce que quand on te vole, tu portes plainte. Donc tu as su que c'est lui qui t'a volé 3000 euros au distributeur. Moi, j'aimerais savoir, mes chers frères et sœurs, pardon, dites-moi, je veux savoir un peu l'affaire ici. Est-ce qu'on retire 3000 euros au distributeur? On peut retirer 3000 euros au distributeur? Non, attendez, excusez-moi, on peut retirer... Donc, on peut voler la carte bancaire de quelqu'un, on retire 3000 euros au distributeur. Parce que s'il a acheté les habits, peut-être qu'il a commandé les habits, mais est-ce qu'il a retiré 3000 euros? Hein? Ah, on peut retirer 3000 euros au distributeur. Hé, hey, maman, vous savez que nous, on a les petites cartes bancaires. On a les petites cartes bancaires, maman. Ah, donc c'est vrai, vous savez qu'elle est une grosse carte. Ah, ok. J'ai compris, maman. Tu sais que moi, j'ai limité à 800 euros. Des fois, il y a même la carte que 500. Donc, je ne savais pas. On peut retirer 3000 euros au distributeur. Waouh. Ah, ok. Courage à docteur. Moi, je t'ai écouté, sincèrement. Hein. Dis que tu manques, c'est une façon de parler, mais... On ne peut pas sortir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sous prétexte qu'il t'a soutenu, machin, tout ça. Non, même si t'as soutenu. Même si t'as soutenu. Pourquoi sortir? C'est un homme, c'est un bel homme. Tu peux sortir avec, mais ne sors pas avec lui hier. Aujourd'hui, tu viens dénigrer que c'était le buzz. Non. Moi, dès le départ, les gens savent que je ne sors pas avec lui. Parce qu'il sortait avec lui, c'est qu'elle ne veut pas venir faire le bruit sur Facebook. Jamais. C'est qu'elle veut rester calme. Mais moi, j'ai ma conception des choses. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est sur Facebook comme moi. C'est psychologique, en fait. C'est psychologique. Je ne peux pas être avec un homme qui est sur Facebook. Parce que ce que vous avez vécu là, moi, j'ai peur que ça peut m'arriver. Quand je vois, quand c'est fini entre vous, ce qui s'est passé, je me dis que non. Attends, si je sois avec lui, demain, il y a un truc qui va venir dire que ma foi, le cam no go ici. Elle a le cam no go là. C'est monté, c'est descendu. Vous pensez que je n'ai pas peur de ça? Bien sûr, je pense à ça. Je pense à ça. Je me dis que non, attends. Si j'ai une aventure avec lui, non. Demain, si ça finit, c'est comme ça s'est passé entre vous deux là. Demain, ça peut m'arriver. Donc, ce qui fait que j'évite à distance et je lui dis lui-même. Je lui dis, je n'ai pas peur de dire ça. On est des amis, je le respecte, me respecte. Et je vois sa vie. Tu sais, quand quelqu'un vient vers toi, il te dit je t'aime bien. Mais tu essaies de le connaître. Tu essaies de voir un peu parce que dans le passé, il y a aussi le mensonge, il y a aussi la vérité. Tu regardes tout ça, maintenant tu prends ça, si tu acceptes ça, tu prends tout ça, tu avances avec. Ce n'est pas que tu vois quelqu'un aujourd'hui parce que la personne te dit je t'aime directement, tu sois avec, demain ça devient que c'est monté, c'est descendu, non. Vraiment la vidéo là, j'étais choquée hein. Donc, elle est victime de l'amour. Hein. Vive au Mabongo. Je peux retirer 1000 euros par jour, pas plus. Ah oui, ça tout dépend du conseiller financier, non? Ah oui. Mais c'est pas bien quand l'amour finit, ça se retrouve les détails sur Facebook, franchement. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Il faut aussi que Choukré arrête de parcourir les femmes partout. Choukré, arrête. Pardon, pas Choukré. Il s'appelle même comment là, baby. Arrête aussi, mon frère. Même si quelqu'un vient là, quelqu'un vient te rencontrer pour les chants, pourquoi tu vas sortir? Tu peux pas sortir avec toutes les filles de la diaspora. Arrête un peu. Arrête un peu. Il faut lui dire d'arrêter. Quelqu'un vient, une fille vient pour les chants, tu finis par te coucher au lit avec. Tu vas sortir pour finir, tu n'auras aucune femme dans ta vie. Tu n'auras que les bordels. Tu n'auras que les bordels. Tu vas rater la vraie femme de ta vie. Parce qu'une fille vient là, que fais-moi un hectare de champ, tu commences à coucher avec. Arrête un peu, dis donc. Ça, c'est la bordelerie. C'est la bordelerie. Allez lui dire que c'est la bordelerie. Que c'est la bordelerie. Il faut savoir faire discernement. Où tu travailles pour ces femmes-là, où tu couches avec ces femmes-là. Ça, c'est la bordellerie à outrance. La bordellerie.
Bordellerie en col blanc. C'est la bordellerie en col blanc. Hein? C'est la bordellerie en col blanc. Où tu travailles avec ces femmes pour les livrer les hectares de manioc. Où tu couches avec ces femmes. Tu vas coucher avec toutes ces femmes-là. Dès que quelqu'un te dit bonjour, tu commences à draguer. Il faut arrêter, hein. Tu as compris? Arrête. Moi, je compte comme deux femmes à genoux. Deux pommes à genoux. Mais je suis femme. Habit conteneur, gars. Je suis une conteneur de femmes. C'est quoi? Chaque gars qui vient, ne fais pas jouer la ligne pour toi. Hein. Toutes les femmes-là viennent parler. La honte de ça. Et je vais m'adresser à ces femmes-là qui vont en Afrique pour sortir avec 53 centimes. Vous n'êtes pas honte? Ces vieux chouettes, ces vieux bordels de l'Europe. Hein, c'est tous ces vieux bordels. Vous parlez seulement que vous êtes sorti avec lui. Vous avez fait quoi pour lui? Les vieux bordels. Les vieux bordels en col blanc. Vous avez fait quoi pour ce petit garçon? Hein? Vous parlez seulement que oui, il nous a pris ici, il nous a pris ici. Il vous a pris tout ça. Il a fait quoi avec alors? Moi, je comprends pas. Ces vieux bordels en col blanc. Hein? Ces vieux bordels en col blanc que même la borderie a refusé en Europe. Vous partez sortir avec un petit garçon qui fait l'élevage, qui fait la cuche, qui élève ses poulets. Combien d'entre vous, une fille vient me dire que ma faux, j'ai mis 1000 poulets. Je vais lui donner le tchakap. Vous n'avez pas honte? Donc vous sortez avec lui dos sur le matelas au sol. Hein? Vous n'avez pas honte? Je suis entrée jusqu'à dans sa chambre. Regardez-moi les petites, les bordels là. Il n'a rien pris à personne. Vous avez compris? Il n'a rien pris à personne. Ces petits bordels de l'Europe. Vous quittez pas de le troubler. Il a quitté Mbeng, il est rentré au pays. Quand il s'en va faire la culture, vous êtes en train de le pourchasser avec les fesses. Le pourchasser avec les fesses, c'est comment? Et vous le pourchassez avec vos fesses, vous ne faites rien pour lui. Vous ne faites rien pour lui, parce que moi je ne comprends pas. Vous êtes en Europe, vous avez les millions, il a pris les 8 millions ici, les 10 millions là-bas. Mais moi je ne comprends pas, vous dormez dans quoi? Non, je ne sais pas, vous l'invitez seulement à dormir à l'hôtel. Vous devez avoir honte. Ce vieux bordel, il n'a rien pris à personne parce qu'il est modeste. Vous avez entendu? Moi, je ne comprends pas. Vous avez pris, il vous a pris, vous ne... Bon, quand une femme vient me dire que, donc, vous tous là, on vous a niaisé sur le matelas au sol. Vous n'êtes pas honte, vous avez niaisé sur le matelas par terre, avec les pagnes, les rideaux de pagnes. Il n'y a personne qui parlait, dit que je suis venu construire même une chambre salon. La bordel qui m'a fait ça, je vais la respecter. La bordel qui va venir dit que j'ai pris le gars. Elle va là-bas derrière. Elle arrange son studio. Elle arrange le studio. Elle enlève dans la fumée. Parce que les conditions pour un Bengis, pour quelqu'un qui vient en Europe, vous tous vous êtes derrière. Je suis sorti avec lui. Il m'a pris ici. Arrêtez de mentir. Moi, ce soir avec un gars, je vais vous dire mon confort avant tout. J'achète d'abord un bon lit. Pour faire le lit, c'est quoi? Vous n'avez pas honte? Et vous osez venir me parler sur Facebook. Franchement, j'ai de la pitié pour vous. J'ai de la pitié pour vous. Quand tu vois, tu parles là-bas à Mandumba. Je suis allé. Je suis entré dans la chambre. Il a son matelas qu'il avait quand il avait 14 ans. Il n'a pas eu honte de me le dire. Je suis parlé, je suis parti avec ma copine. Il a dit, voilà mon matelas que j'ai. C'est ça que dort quand j'avais 14 ans. Il a toujours son même matelas. J'ai regardé sa chambre, c'est l'épingle qu'il a couvert. Quand une fille part là-bas, elle dit que je suis venue construire. Parce que quand je suis venue arranger, je vais donner le tchakap, les bordels, les menteuses. Hein? Vous venez dire quoi? Que vous avez investi quoi pour lui? Parce que quand j'ai même regardé cette histoire que poulailler là, il y a combien de poulets là-bas? Parlons peu, parlons vrai. Non, mais parce que quand j'entends toutes ces filles-là, chacune vient dire que oui, il m'a pris ça. Moi, je peux. Il y a combien de poulets? Il y a combien de poulets là-bas? Il n'y a même pas 1500 poulets. À un moment donné, il faut être honnête. Il n'y a même pas 1500 poulets là-bas. Et vous venez inventer son nom, pensez s'il avait l'argent. Bon, et quand il prend votre argent, il fait quoi avec? Acheter les habits qu'il achète là, ça coûte combien? Non, mais moi je veux comprendre parce qu'arrêtons un peu. Chacun, il m'a pris 8 millions. Il m'a pris ceci, il m'a pris ceci. Tu arrives là-bas, tu ne vois rien. Arrêtez un peu.
Trop, c'est trop. Non, mais sérieux, quoi? Arrêtons un peu. Regardez, hein? Non, arrêtons un peu, s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, non. Moi, je vais être honnête. Je vais être sincère, ok? Toutes ces filles-là qui viennent dire que... Toutes ces filles-là qui viennent dire qu'on leur a pris 5 millions, on leur a pris ça. Je veux savoir, il avale l'argent. Il a pris ça pour faire quoi? Parce que quand j'arrive là-bas, sincèrement... Non, mais je ne comprends pas. Parce qu'une fille qui dit qu'elle aime un homme, j'arrive chez toi et tout comme ça, mais attends, je vais te dire, mais chérie, je peux pas dormir dans ces conditions. Je suis désolée. Tu prends même 10 millions, dis que, chérie, avec 10 millions, tu peux construire un bon truc, tu peux arranger. Parce qu'il a son département derrière. Tu viens, tu dis que, parce que les papas n'aiment pas quand on touche à leur maison. Vous-même, vous connaissez. Tu viens, tu vois ton beau-père, tu dis que je suis ta belle-fille. Je suis venue arranger où je vais souvent venir dormir. Tu viens là, tu casses, tu ne casses même pas derrière. Puisque c'est déjà construit. Tu fais le crépissage dedans. Tu arranges, tu fais derrière deux chambres, salon, cuisine, douche. Il n'est pas plus préparé à la fumée. Et tu lui fais un studio pour ses appareils. C'est ça qu'on dit qu'on investit derrière un homme. Vous investissez derrière un homme pour aller manger au McDo. Le McDo, c'est quoi? Manger et boire, c'est quoi? Putain, mais vous êtes des villageoises. C'est pas possible. Chacune sort là-bas. Oh, il m'avait pris ceci. Oh, il m'a pris. Dites que vous êtes sorti avec lui, vous avez fait des promesses. Parce qu'il y a beaucoup de filles ici qu'elles aiment dire qu'elles ont les dos alors qu'elles n'ont rien. Dites que vous êtes parti derrière lui, vous avez dit que vous avez l'argent. Vous avez fait des promesses pour finir, vous n'avez pas réalisé. On est d'accord? Non, non, la vérité, c'est ça. Quand vous venez, vous dites que je suis mariée à un blanc, c'est monté. Mais être mariée à un blanc ne veut pas dire qu'on a quelque chose. Vous avez fait des fausses promesses à Choucré. Toutes ces bordels-là. Vous avez promis. Attends. Normal, il voit une femme docteur. Il va se dire que docteur, c'est peut-être 20 000 euros par mois. Entre ça, si j'ai la moitié, elle m'investit. Bon, elle investit quoi pour lui? On quitte le docteur. Tous les autres filles qu'on parle que Chouka a fait que je jure sur la tête de ma mère. Nous étions au poulailler. Il n'a même pas mis 500 poulets. Parce que ce sont les menteuses. Elles viennent faire des promesses. Je vais venir faire ceci. On fait les jeux. Il n'y a même pas 1500 poulets. Mais c'est des menteuses. Mais vous dites qu'il a pris votre argent pour faire quoi? Pour aller faire les plantes. Pour planter, c'est quoi? C'est les bamenda qui travaillent au champ, non? Pourquoi vous voulez le salir? Pourquoi vous voulez le salir qui vous a estoqué des millions, des millions? Il a mis ça où? Il a mangé ça comment? Il vous a estoqué l'argent comment? Parce que moi, je ne vois pas où est l'argent là. Les costards qu'il porte là, ça coûte combien les habits? Ça coûte combien? Hein? Arrêtez un peu. Franchement, ça fait honte. Arrêtez de déranger ce mec. C'est l'enfant de quelqu'un. Il a quitté Mbeng, il est rentré au pays, qu'il veut se poser, il veut faire des choses bien. Mais tous les waka, tous les holos, les vendeuses de piments vont l'étouffer avec les fesses. Vont promettre. Elles promettent, elles ne font pas. Est-ce que c'est un gars gentil? Il est toujours en train de dire que oui. Il ne sait pas dire non. Je lui ai dit que mes gars, arrête un peu, respecte-toi, tu peux être avec tout le monde. En ce moment, je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec lui. Toutes les bordels là, elles s'arrangent pour aller dire, oh, il m'a fait ceci, oh, il m'a fait ceci. Elles pensent qu'on va croire. Ça vous énerve, pourquoi vous ne parlez pas depuis? Quand vous avez vu que, non, comme je dis que Chouké, c'est un ami. J'ai même dit à mon gars que c'est un ami. Mais que les sorcières arrêtent de saluer l'enfant. Elles vont se coucher à terre dans un village. Et elles viennent dire qu'elles ont donné les millions. Qui peut croire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elles dorment à terre dans une chambre, sur le matelas au sol, dans un village à Mwadumba. Elles viennent nous parler que les vieilles ménopausées, elles viennent nous dire qu'elles ont donné les millions à l'enfant de Truy. Vous mentez, vous n'avez rien donné. Parce que moi, c'est soit un gars. Je ne dis pas que prends l'argent. Je dis que montre-moi, elle veut faire ici, j'arrange là, j'arrange là. Ou moi, elle venir me coucher, je dors. N'importe quoi. Bisous, non. À ce soir.